Hello les amis, c'est Mitraptoma de Nintendo Alert et on se retrouve encore pour un let's play de Xenoblade Chronicles 3. Donc nous sommes toujours au chapitre 3, on a bouclé toutes les quêtes annexes et là on va progresser dans l'aventure. Prêtez attention. Qu'est-ce qu'on choisit? Bam bam bam. Point d'entente ou dédoublons nos ponts? J'hésite, les points d'entente c'est sympa. Allez. Ok, une bonne chose de faite. Donc n'oubliez pas à chaque fois de ramasser tous les objets au sol, c'est hyper utile pour les quêtes. Hein. Je ne le dirai jamais assez si vous êtes néophyte. D'ailleurs, j'ai commencé à lire un peu les avis. Beaucoup estiment que c'est le meilleur Xenoblade pour débuter la saga. Pour ceux qui ne l'auraient pas débuté, moi je suis pas d'accord du tout. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que je trouve que c'est ultra simplifié. Alors c'est un bon Xenoblade pour ceux qui voilà, qui n'ont pas envie non plus de se prendre trop la tête. Mais voilà, si vous avez aimé... si vous jouez à ce Xenoblade et que vous avez vraiment aimé, que vous dites tiens, j'ai envie de retrouver le même système de combat dans Xenoblade Chronicles, le premier ou le 2, vous allez péter un plomb parce que ça n'a rien à voir. Hein. Là, c'est ultra simplifié. Un peu trop à mon goût. Je m'ai éjecté là. J'ai lu également que les gens trouvaient, enfin, certains de la presse trouvaient les personnages très attachants. Moi, je vous avoue que là, chapitre 3, je ne suis pas encore ultra attachée aux personnages. Parce que déjà, je trouve qu'il y en a beaucoup. Là, on est avec, on a 6 persos, 7 si on compte le héros. Oui. C'est pas après chacun son ressenti sur le jeu, mais moi je me suis pas ultra attachée au personnage. Hein. Y a pas grand chose pour que voilà, on s'attache réellement à eux pour l'instant. Du coup, donc là il y a une quête. Je m'étais dit que j'allais plus faire de quêtes. En plus, ouais, ils sont à un bon niveau. Yeah.
chose pour laquelle on s'attache pas, enfin j'ai du mal à m'attacher, c'est que effectivement ils sont aussi souvent en mode fusion intervient quand même. Allez, petit enchaînement pour le plaisir. Alors, mon équipe n'est pas super équilibrée comme vous pouvez le voir à gauche. Hein. J'ai que des soigneurs. Mais voilà, il faut les faire monter de classe. Donc mon enchaînement va être à chier. Pardon, à brasier. J'annonce. Hein, mais voilà. C'était juste pour le plaisir de lancer un enchaînement. Hein. Je m'attendais à rien, je suis quand même déçue. Brasier de brasier. J'avais prévu, hein. Ça allait pas être fou, c'était prévisible. J'ai une équipe qui est pas du tout équilibrée.
ramasse tout ce que je peux. Hein. Enfin, tout ce que je peux. Je ne vais pas non plus passer une heure à ramasser. J'avais dit que j'avancerais dans ma quête principale, donc... Même c'est que quand on voit un point d'interrogation, une quête annexe, juste à côté, qu'on se dit « Non, bah, je reviendrai plus tard. » Soit on zappe. En tout cas, c'était juste à côté. Je m'en suis déjà mêlée là, ça. Je refais pas. Alors, petite cinématique. Autre reproche pour l'instant, je trouve que le bestiaire par rapport à par exemple à Xenoblade Chronicles 2, quand on arrive à Gorbot, il y a plein de monstres. Là, parfois, je trouve que lorsque je chemine un peu partout, je trouve que parfois c'est une sensation de vide. Et j'ai pas trop l'habitude avec les Xenoblade Chronicles d'avoir cette sensation de vide. Là, on voit Vandamme. That smaller army over there. Guernica pour les intimes. Little, but grows over time. Becomes like the bigger one. All the creatures do it. But we never change that much. Ah. Such a basic fact. So why haven't we realized it before? Realization leads to hope, which in due time turns to despair. C'est penser à un personnage des Chevaliers du Zodiac. The significance of the stasis is driven ever deeper within. C'est un chevalier d'or. A moment in time, a sublime experience. That brilliance, it shines ascendant over all else. That's why it takes so much freaking work. Working stinks. They all learn sooner or later. They learn how priceless it was, how grossly irreplaceable. The eclipse grows near. Je dis n'importe quoi, je dis Gormoth, c'est même pas Gormoth, c'est Torigoth. J'étais perdu dans mes pensées là, je me dis mais c'est pas Gormoth, c'est à Torigoth qui a tous les monstres. À Gormoth, il y a que des monstres. Get along nice. Let's be good friends. It's funny. Just looking at these guys. It puts your mind at ease. Ça c'est marrant. Cette philosophie, tout ça pour après pouvoir les buter à volonté. Good question. Still. I think I could get used to this. Yeah, me too. Whoa! Okay. Did you find something? Hmm? No. Just brings me back a bit. It reminded me of someone. Oh yeah? Sympa.
se rappelle de quelqu'un avec un arbre. What is this? A sophronia. Mm. I know that. But ce du, I've never seen du raya. Such full bloom before. Pour moi ça me fait penser à raya. It's special. Huh? So why give this to me? It's a treasure of mine. Oh, il est amoureux I'd like d'elle. To go back someday to where this was taken. It's a dream I have. Not that I have all that much time to spare. But soon. She was the one who taught me strategy, who taught me how to fight using the Mondo. To worry. But why? Why did she show me that picture? I suppose she wanted to share it with you. Voilà, si on devait the se memory. Justifier à chaque photo qu'on montre, il y en a beaucoup sur les réseaux sociaux qui devraient se justifier toute la journée. Huh? Je suis vraiment pressée d'avoir vos feedbacks à vous, nouveaux joueurs ou à. Anciens joueurs entre guillemets, ceux qui ont fait le 1, le 2, ce que vous pensez de ce nouvel opus par rapport au précédent. Temps de chargement. Très long. Très très long. These soldiers. Tyon. These are your targets, sir. Yeah. You'll handle it, right? And it's because they're consorting with enemy soldiers. If that's so, shouldn't we question them first? You're a hell of a stickler, aren't you? I could just go and do it the K way. Forget it. There's just no zest. This time, I'm gonna take a different angle. Consul? Let's do this, Izzard. Il se transforme en Mobius ou qu'est-ce Go on, spill it for me. Give me all your feelings deep inside. Ok. Chargement. Allez. Repère découvert, Saffronier. D'accord. Wow, got a rare doodah right here. You know what Manana just told me? She said that in the night, the trees wake up and start to wander. No, no, not listening. Can't hear a thing. Le souci c'est que bon. peut-être un petit peu trop farmé. Comme vous voyez là, voilà, ils sont niveau 23. Je suis 38. C'est bien dommage qu'on n'ait pas une option pour baisser de niveau. Parce que, voilà, on a fait une vidéo où on vous a montré comment farmer. Puis bon, j'aime bien un peu découvrir. Donc, je n'ai par-ci, par-là. Se battre contre des ennemis avec des niveaux beaucoup plus élevés. Ce qui fait que, ben là, je me retrouve... en surlevel, les monstres m'attaquent pas et je vais pas les attaquer parce que bon ben, je vais pas gagner encore plus d'XP et je sais que je vais le regretter à un moment ou à un autre parce que j'aurai besoin de tel ou tel ingrédient que ben que j'aurai pas parce que ben
On n'a pas tué le bon monstre. Alors là, je vois une grotte. Regardez si c'est pas quelque chose que je... Non, non, c'est pas le passage, mais bon, je vois une grotte, j'y vais forcément. Voilà, Xenoblade, c'est tout sauf linéaire. J'attends, j'attends beaucoup ben, du jeu en général, mais aussi du New Game Plus. Je suis pressée de voir. Les options. Alors là, on a une vue dégagée de ce qui se passe en bas. Donc, ok, le ravitaillement. Et là-bas, à l'entrée d'une grotte également. Emmène-nous cette grotte. Ah, c'est vraiment... Bon, je sais pas si c'est moi ou... Mais voilà, c'est, je me dis, bon, allez, là, je vais progresser dans la quête principale. En fin de compte, voilà, je vois une grotte, j'ai envie de passer, j'ai envie de voir... Là, j'ai pas d'agilité, je peux pas encore monter. Donc du coup, j'avance pas dans la quête principale parce que j'ai envie d'aller voir ailleurs. Et je suis encore au chapitre 3. Après, je crois plus de 30 heures de jeu, hein. 35 même, je dirais. Voilà. Il y a des quêtes. Hein, donc... Tu vois, si j'aime bien Breath of the Wild, c'est... Pour le sentiment de liberté, c'est ce que je recherche aussi dans Xenoblade. Pourquoi est-ce qu'il m'attaque? Il n'est que level 23. C'est bien du coup, hein, je voulais pas les attaquer et une attaque de merde. Ah d'accord, oui. C'est une quête, c'est ça? Alors, quête B. La carcasse du plateau. Éliminer les monstres qui rôdent autour du Ferroni Sorceress. Ah ouais, ok. Ah d'accord, voilà, c'est pour ça qu'il m'attaquait en fait. Tout simplement. Thank you.
5 sur 10. See if we can keep this up. Gonna blast them into next week. Never a dull moment, eh? Ever the target. Désolé, je parle pas trop pendant les combats, c'est juste que je suis concentrée. Dès que je parle, je rate les feintes. Enfin, je suis pas un homme, hein. Je devrais pouvoir faire plusieurs choses en même temps. C'était un élite, lui. Je ne fais pas attention. Moi, ils sont les autres. Faut vous dire, je l'avais même pas vu. J'avais pas vu le faire une liste. Ah, 10 sur 10, voilà. Bon. Activez le ferroïde. Ça ne s'ouvre pas. Oui, je suis bête. Activez. Mais monte. Oh. Together now. Here we go. Agir. Ah, quand même, 10. Gourmand. J'espère qu'il va donner de bons objets. Hein. Je pense que c'est uniquement le deuxième que je remets en service. Ok. Et ben voilà. Hop, hop, hop. Confirmer. Voir ce que ça va nous donner. Transcendant, hein.
D'ailleurs, c'est un petit moment que je peux aller voir. J'aimerais vraiment pas tomber entre un boss avec cette team qui est quasiment full soigneur. Enfin, bref, comme dirait l'autre. Oui, j'avais dit au début de la vidéo que j'allais progresser dans la quête principale. Je l'avais dit, effectivement. Mais bon, il y a une grotte, on y rentre, c'est comme ça. J'essaie d'aller le plus vite possible pour la quête. Vous évitez encore plus de farm. Alors, champ de bataille de Kana. Alors, que va-t-il se passer? This is awful. It doesn't look recent. Been here a while. And the battle, it must have been massive. Non, moi j'ai un peu du mal à comprendre leur réaction en mode c'est horrible. Blabla, alors que voilà, ils se battent depuis toujours, ils sont sur les champs de bataille depuis toujours. C'est un peu incompréhensible. Il y a Noah depuis le début qui semble un petit peu sensible, mais bon, les autres. Ah quoi, ils sont formatés, donc c'est un peu overreact parfois. Oh no, love, the connector's the wrong size. This one's Kavesi. You've been here for quite a while. Bah, si ils trouvent ça si horrible que ça d'aller fouiller après les cadavres. What is this? Why is my name on here? S'il y a son nom dessus. D'accord. Est-ce qu'il y a un truc avec l'espace-temps, je sais pas, vu qu'on a vu Vandamme. Uni! Did you find anything worthwhile? Huh? Évidemment, elle va rien dire. I said, did you find anything we might be able to salvage? No, nothing at all. Not here. Seriously? You were here all frozen, so I figured you must have struck something gold. Come on, help me shift this thing here, would you? Yeah, all right. C'est un truc tellement pas réaliste dans les jeux vidéo. C'est quand tu découvres un truc énorme. Ils arrivent à garder le secret. C'est impossible. Just someone with the same name as me. A coincidence. Si c'est une coïncidence, tu peux en parler à tes copains. J'aurais rameuté tout le monde, hein, je vous le dis. Hey! Over here! It's a golden flame clock. But wrecked. I've never seen one. A real golden flame clock. Ain't that strange?
We're talking gold rank, the shiny pinnacle of every colony's ambition. And this is how we find it. It's a Kvesi, isn't it? Yeah, has to be. For all that, I'm not seeing any Agnian corpses or weapons. What does it mean? Sparks. How could they have ended? J'allais justement dire que ça faisait un petit moment que j'avais pas vu Braise Brasier. Heureusement que je l'ai pas dit. Bon, donc on a vu Vandamme. Est-ce qu'il y aurait pas un délire avec espace-temps, manipulation du temps, ce genre de truc. Vu que c'était son cadavre à Eni. On fait que des suppositions. Normalement, avec une team un peu équilibrée, ce serait plus simple, peut-être plus rapide. Et là, ma team, elle est vraiment... Ouais, je vais lancer un enchaînement juste pour le fun. Il va encore être
affreux parce que ben, j'ai quasiment que des soigneurs. Enfin, il est presque fini. C'est pas bien grave. Voilà. What a faff. Just one stray Levis. Barely worth the effort. Yeah. Doesn't seem to be what did this colony in. I see. It was revenge. Commander, you did it. So this works on its own? Yes. That's a standard castle issue autonomous Sentry Levnis. It doesn't need human operators. Hey, this symbol. It's Lambda's, right? Huh? Tyan, weren't you with... We need to get away from here. Though it was unmanned, it's sure to have transmitted its combat data to the colony. They might even be able to work out we're the ones it was fighting. Right. Well, don't reckon there's anything more of use here. Let's go, Noah. Gotcha. Mia? Tu m'étonnes qu'elle tremble. Uni? Alors, rendez-vous au sud-est de la région de Fornis. We need to make some distance. I'm with you. Shall we try climbing a bit higher up the mountain? Je sais pas s'il y a des choses à récupérer.
this place before. Alors, on a vu un feu de camp, hein. Ce qui m'inquiète, c'est que généralement près des feux de camp, il y a des boss. Et que... Oui, bon, mon équipe est vraiment pas bien équilibrée. J'espère que ce soit pas un boss trop difficile. Bon, j'ai bien farmé, donc ça devrait le faire. Allez, au camp. Can we ask Manana to whip up some grub? Alors, faire le point parce qu'il y a. Ok, discuter. Hey, listen to this, will ya? Oui, c'est un. Ils peuvent l'attendre. Niveau, je crois, je pense pas. Bah si. Ah bah ça y est, on est passé niveau 40. Quand on passe niveau 40, c'est quoi ce qui se débloque? Il y a un truc qui se débloque, je vais aller voir après. Créer des gemmes, ça m'étonnerait que j'ai le stuff pour passer 4. Tu m'étonnes. Là, il me manque de la graisse. Je sais pas trop quoi. Les divins d'accord moi. Bon, soit j'ai pas tué ce qu'il fallait, soit j'ai pas assez progressé en histoire. Je rappelle quand même que je suis que chapitre 3. Cuisiner un repas. Non plus. On a débloqué le TP, c'est très bien. Ok. Some relationships changed. Alors, on va aller voir quand même niveau 40. Il y avait un. C'était quoi qui s'était bloqué déjà niveau 40 Je crois que ce soit les. Ah, d'accord. Ce sont les gemmes. Okay. Alors, regarde juste ce napin qui aurait. Oui, j'ai compris. J'ai compris. On va faire pour chaque. Ouais. Donc j'ai pas assez de gemmes. Donc il faut que j'aille en faire parce que j'ai débloqué la. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui mettre? Ah, le problème c'est que là elle est en classe soigneur donc ils sont tous soigneurs donc là c'est pas le nombre d'art elle est possiblement qui peut assigner sur la palette des arts. Qui à la base est un soigneur, là il y a un attaquant. Donc,
Ok, donc, comme vous avez vu, je suis passée niveau 40. Donc, je vais faire un peu d'intendance. Et puis, je reviens un petit peu plus tard avec la vidéo qui je vous avais promis, quoi, de progresser dans la quête principale. Je pense qu'il va y avoir qu'il y a un boss qui arrive. Donc, merci d'avoir regardé et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!